vrai. Ok, alors bonjour à tout le monde. Bonjour, hein? Je vous invite à partager le direct, ok? Envoyez le direct partout. Partagez, partagez. Moi aussi, je suis encore en plein partage. Donc, je vais remettre une chanson pendant que vous êtes en train de faire le tour du partage. Je pense que je vais changer cette fois-ci. On va un petit peu écouter le dialogue national. Pendant ce temps, je vais vous inviter à partager le direct. Allez-y. Happy birthday. C'est pas ma fête. Ok. Alors, partagez le direct, un dernier tour. Après cette chanson, on va commencer le direct. Ok, excusez-moi là, j'ai un problème avec mon ordi, mais c'est pas grave. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour. Je vous invite à partager le direct. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Contrairement à la semaine passée, je suis un tout petit peu fatiguée, mais je me suis engagée à faire un direct avec vous aujourd'hui, ok? Donc, même si nous sommes cinq, comme je dis souvent, je vais faire mes directs. Et comme je dis toujours, hein, lorsque tu viens dans mon direct et que tu viens avec des commentaires
désobligeant ou tout de suite tu es bloqué. Et malheureusement pour vous aujourd'hui, je suis juste en face de la caméra, donc je peux facilement aller mettre le doigt puis je bloque tout le monde. Alors je souhaite une bonne fête à tous les musulmans aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée ou j'espère que vous êtes encore en train de passer une belle journée. Donc, j'ai une bonne pensée pour vous. Alors, je suis présentement en direct sur ma page Ida la Camerounaise, la page principale, la première page, et en même temps sur Ida la Camerounaise 1. Donc, je dis bonjour à mes followers, à mes abonnés qui sont sur les deux pages. Alors aujourd'hui, on va faire en moins de 45 minutes à 1 heure, on va parler rapidement, on va un peu traiter le thème sur le sens que nous donnons à notre combat. Je constate ici que chacun est un petit peu fatigué par rapport à la lutte. J'ai l'impression, ça ce n'est pas mon analyse, que j'ai l'impression que les gens pensaient qu'ils sont entrés dans une révolution qui allait finir en un mois ou en deux mois. Et je constate aussi qu'il y en a aussi qui ne savent plus quoi faire. Ils sont à bout. Ils sont à la fin du parcours. Ils n'ont plus rien à proposer au peuple. Ils n'ont plus rien à dire au peuple. Ils n'ont plus rien à faire. Et ils sont bloqués. Il n'y a plus d'issue. Des gens sont à court d'idées. Des gens ont déjà tout donné, que ce soit physiquement, financièrement, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur famille, il y en a même qui ont perdu leur famille, puis il y en a qui voient comme résultat que rien n'avance au Cameroun. Tout est bloqué, tout n'avance pas, on est comme dans un cul-de-sac, ok? Donc on reste là, on ne sait plus quoi faire. Puis je commence à entendre quelqu'un qui commence à dire « Oh, le président Kamto prend tes responsabilités, tu es un petit peu trop calme, il faut faire bouger les choses. » C'est ce que j'entends un petit peu. Alors tout ça, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens ont refusé de penser. Les gens sont entrés dans la révolution, certains, je ne dis pas tout le monde, donc j'en ai identifié pour ma part certains, qui sont entrés dans cette conviction par rapport à pas nécessairement pas par rapport à leur conviction, mais par rapport à quelqu'un ou par rapport à une personne. Peut-être il y en a qui sont entrés dans ce combat parce qu'ils ont vu, je ne sais pas moi, Calibri dans la lutte. Il y en a qui sont entrés dans ce combat parce qu'ils ont vu, je ne sais pas moi, Albert Zongana, la politique. Il y en a qui sont entrés dans ce combat parce qu'ils ont vu Maurice Kamto. Il y en a qui sont entrés dans ce combat parce qu'ils ont vu Bibou Misak, parce qu'ils ont vu Cabral Ibi qui, au début, il attirait l'attention à peu près de tout le monde et tous les jeunes, dont moi y compris. Donc, beaucoup de personnes sont entrées dans cette révolution, ils sont entrées dans cette lutte en déposant leur combat entre les mains de ces personnes-là. Et je pense que pour mon analyse personnelle, c'est une grosse erreur de notre part parce que lorsqu'on décide de prendre l'initiative puis on entre dans un combat comme celui-là, il faut d'abord avoir des convictions. Je sais que tout le monde ici, dans l'unanimité, veulent chasser Biya. Ils veulent mettre fin à la dictature. Ça, c'est ce qu'on a tous en commun. Mais maintenant, chasser Biya ou dire que Biya doit partir, ça, c'est un fait, c'est un mot. Mais maintenant, ça c'est une dénonciation. Mais maintenant, la question qu'on se pose est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour le chasser. Et au début, la brigade anti-Sardina était ce mouvement-là. Elle est encore ce mouvement-là. Et j'ai l'impression que certains esprits sont essoufflés parce qu'il y en a qui sont complètement entrés dans ce qu'on appelle au Cameroun du Congo-Sa. Donc, ils se limitent à ça, ils ne pensent qu'au Congo-Sa, ils ne font que du Congo-Sa. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Quand tu en as de l'autre côté, tu as des personnes qui travaillent, qui réfléchissent, des manifestations, des actions, du lobbying, des directs instructifs, des blogs, des messages. Donc, il y en a beaucoup qui sont entrés dans cette révolution qui, ils n'avaient pas tous
mis la révolution sur les convictions. Et c'est pour ça que je reviens toujours avec ma position que je parle d'activiste ou politicien. Parce que même pour faire de la politique, quand tu es dans un parti politique, il y a la ligne du parti qu'il faut respecter. Et même si tu n'es pas en collégialité avec la décision de la ligne du parti, tu te dois quand même à la limite, même à 80-85% près, de respecter cette ligne de parti-là. Et par contre, quand tu es activiste, tu es libre de tes actions, tu es libre de penser. Tu peux même taper sur des partis politiques au pouvoir, sur des partis politiques pour lesquels tu te bats pour les mettre au pouvoir. Tu as une liberté d'esprit et il faut penser. Maintenant, ça, quand je me plante le décor comme ça, qu'est-ce qui, à ce moment, pour ma part, ralentit la lutte? Bien sûr, il y a bien et bien le Congossa. Hein? On sait tous qu'il y a le Congossa qui remplit la toile. Tout le monde est sur le Congossa. Tout le monde est concentré à avoir de la haine contre l'autre, à détruire l'autre, à dire que tel clan, tel est dans les clans, il n'est pas bon. Tel est dans l'autre clan, il n'est pas bon. Tel est ici, il n'est pas bon. Tel est là-bas, il n'est pas bon. Donc, les gens sont plus concentrés à faire ça. Et quand quelqu'un reste, il est plus concentré à faire ça, qu'est-ce qui arrive? On commence à voir des petits détails qu'on ne voyait pas au début. Alors, c'est pour ça que j'ai mis au titre de mon direct, fin de slogan, début de la réflexion. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous utilisaient, vous savez, comme dans toute chose, hein, dans toute chose, dans toute manifestation, dans tout projet, dans toute initiative, il y a ce qu'on appelle des slogans. Mais est-ce que lorsque on décide d'utiliser un slogan, est-ce que ce slogan-là va devenir l'arme de notre parti, de notre combat? Est-ce que ce slogan-là va être notre vision? Est-ce que ce slogan-là, ça va être notre ligne de mire à suivre et à respecter dans ce combat? Le slogan, quand je regarde la définition ici, comme je dis toujours, hein, on n'a pas besoin de faire partie des bibliothèques de recherche, on n'a pas besoin d'être un enseignant, on n'a pas besoin d'être un professeur, on n'a pas besoin d'être un chercheur pour être à mesure de trouver des slogans. Vous voyez, de nos jours, on n'achète même plus des dictionnaires, on les trouve tous en ligne. Donc, si vous tapez tout simplement en ligne, qu'est-ce qu'un slogan? Vous allez voir que un slogan, c'est une brève formule frappante lancée pour propager une opinion ou soutenir une action. Alors, je viens, formule frappante lancée. Donc, un slogan, quand on dit formule, il doit être fort. Quelque chose qui est pointu, quelque chose qui est fort, qui embarque les gens, qui entraîne les gens, qui motive les gens, qui les encourage. Donc, il doit être fort. On ne peut pas prendre un slogan qui ne frappe pas, qui n'a pas un message visé très fort, surtout avec une dictature comme Biya qu'on est en train de gérer. On dit pour propager une opinion. On dit bien une opinion. Une opinion, c'est son jugement, ce qu'on pense, nos analyses. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Tu peux faire un slogan, mais tout le monde ne le partage pas. Donc, c'est une opinion. Donc, ce n'est pas comme quelque chose que c'est un slogan, ça a été cherché dans des grands livres universitaires et c'est ça, il faut qu'on le garde. Non. Donc, il doit être frappé, il doit être fort, incisif. Il doit avoir une opinion qui peut être une opinion personnelle ou l'opinion d'un groupe de personnes. Maintenant, et c'est dans le but de soutenir une action. Donc, soutenir une action, c'est par rapport à un projet. Parce que lorsque tu prends l'initiative de mettre sur pied ton slogan, c'est par rapport à une action précise. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse en ce moment, qui est la lutte pour laquelle on se bat. La lutte pour laquelle on se bat présentement, c'est de mettre fin à la dictature de M. Biya. Ça, c'est clair. Maintenant, comme je dis souvent, moi, j'entre dans ce combat. Hein, lorsque j'ai vu Maître Michel Doki qui se fait tirer dessus, moi j'avais déjà en moi cette fibre-là d'activiste, mais je n'avais pas de personne avec qui embarquer. La basse est arrivée, je me suis joint à la basse, j'entre dans cet activiste par la basse, mais j'entre de manière officielle
C'était le 26 janvier quand Maître Michel Doki se fait tirer. Donc, lorsqu'on revient à cette lutte-là, on dit maintenant qu'en genre, c'est parce que qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Au Cameroun, il y a des injustices pour moi. Donc, comment quelqu'un peut se mettre en train de marcher, puis vous tirez sur lui? Et la personne avait les mains en l'air, la personne était libre, elle marchait, mais vous tirez sur elle. Donc, maintenant, si on parle de slogan dans un tel contexte, on dit une formule, formule frappante de lancer. Donc, quand ça frappe, déjà juste qu'on dit « arrêtez », ça, c'est comme une injonction, c'est comme impératif, c'est comme on frappe, c'est impératif, c'est une injonction. Là, on peut utiliser une brève formule « arrêtez », par exemple, et on propage une opinion. Donc, je commence par « arrêtez ». Maintenant, l'opinion, mon opinion, c'est quoi? Oh, votre injustice, j'analyse qu'il y a une injustice au Cameroun. Vous voyez bien que les Saadinas en face, ils voient qu'il n'y a pas d'injustice au Cameroun. Donc, ce n'est que normal pour eux de noter qu'il n'y a pas d'injustice au Cameroun. C'est pourquoi on revient avec les opinions. Parce qu'il faut que les gens comprennent que dans ce combat que nous menons, tout le monde n'est pas obligé de partager la même pensée que nous, la même opinion que nous, la même façon de faire. Non. Donc, je reviens donc. Alors, si je décide tout de suite ensemble avec vous de créer mon slogan, je vois brève formule fréquente, arrêtez, numéro 1. Maintenant, je propage mon opinion, l'injustice et l'équité, qui est mon opinion. Soutenir une action, c'est arrêter l'injustice et l'iniquité au Cameroun. Maintenant, l'action que je soutiens, permettez la liberté des opinions, permettez la liberté d'expression. Ça, c'est des slogans. Donc, j'ai choisi des mots ici et là pour pouvoir les mettre ensemble et pour pouvoir former mon slogan. Donc, quand je vous demande ça comme ça ici, vous voyez donc que un slogan, c'est comme une propagande, mais ça porte un message. Mais comprenez donc qu'un slogan nécessairement ne peut pas être partagé par tous. Pourtant, une revue scientifique, une recherche scientifique doit être obligatoirement passée par tous parce que la recherche l'a démontré. Or, les slogans, c'est une opinion personnelle. Maintenant, revenons encore une fois de plus. On va maintenant de manière plus détaillée. Ça, c'était ma définition à moi. Si on regarde dans la révolution dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, regardons un peu les slogans qu'on va trouver ici et là dans notre révolution. Si je prends par exemple, Serge Espoir Matomba, c'est quoi son slogan? Prends ton destin en main. Alors, formule frappante pour Serge Espoir Matomba, c'est prendre, donc qui est une action, l'action de prendre. Ensuite, pour propager une opinion, c'est quoi son opinion? Quand il dit « prends ton destin à main », donc il essaye de vouloir attirer des personnes à être responsables d'eux-mêmes, à saisir l'opportunité qu'ils ont pour avoir un avenir meilleur, pour avoir une situation meilleure par rapport à la cause qu'ils vivent actuellement. Maintenant, il soutient, quelle est l'action qu'il soutient? C'est prends ton destin à main. Donc, l'action qui est soutenue, c'est encourager la population à être responsable d'elle-même. Mais là, c'est son opinion. Hein? Ceux qui se sentent intéressés à cela vont se joindre à lui. Mais ceux qui ne se sentent pas intéressés à cela ne vont pas partager son opinion. Et Serge Espoir Matomba ne va pas venir tirer sur lui parce que à ceux qui ont décidé de ne pas le faire. Maintenant, si Serge Espoir Matomba se rend compte que les gens n'embarquent pas dans son slogan, il n'y a pas un pourcentage de personnes qui embarquent, il revient donc à lui de reformuler son slogan. Il peut mener des enquêtes, il peut collaborer, il peut s'informer, il peut demander des avis des uns et des autres. Prenons maintenant le slogan de Dis fort
à Fanny Franklin. Le changement, c'est maintenant. OK? Son action, c'est le changement. L'action, c'est changer. Et l'action qu'il veut, c'est quelque chose de nouveau. OK? Non, le changement, c'est maintenant. Vous voyez, ça comprend. Une formule brève, ça propage une opinion et ça soutient son action. Donc, sa formule brève, c'est le changement, c'est maintenant. Trois mots ou quatre. Quatre mots. Propager une opinion. S'il dit le changement, c'est maintenant, c'est parce que pour lui, il se rend compte qu'il veut que des gens se joignent à lui pour le changement. Et l'action, c'est maintenant. Passons à Adamu Damjoya. Le Cameroun pour nous tous. C'est quoi l'action qu'il met? Il dit, le Cameroun, c'est pour nous tous. Donc, pour lui là, l'action c'est, le Cameroun appartient à tout le monde. Donc, on parle ici, son opinion c'est une appartenance, que tout le monde s'identifie au Cameroun, que tout le monde se reflète au Cameroun, que tout le monde se sent à l'aise au Cameroun, que le Cameroun appartient à tout le monde. Et son opinion, c'est soutenir une action. Son action, probablement ici, si je peux bien définir, parce que je présente les slogans sans toutefois émettre mes jugements, parce que ce slogan, si, il n'est pas assez complet. Donc, quand on regarde la définition, il n'est pas assez complet, mais je sous-entends qu'il veut que les gens prennent leurs responsabilités, ils ne laissent pas passer leur chance et que le Cameroun, c'est maintenant. Pour changer le Cameroun, c'est tout de suite. Allons maintenant avec Akeremuna. Maintenant, la Nouvelle République. Même là encore, le slogan n'est pas très très fort. Maintenant, la Nouvelle République. J'ai l'action qui est maintenant. L'action, l'opinion, c'est il veut un nouveau Cameroun qui est la Nouvelle République. Mais soutenir l'action, il n'y en a pas. Maintenant, la Nouvelle République. Il n'y a pas l'action qui soutient. Mais je sous-entends qu'il veut une nouvelle république. Ça, c'est mon analyse personnelle, encore là. Pourtant, un slogan, techniquement, à l'intérieur, on doit être capable de comprendre ce que ça sous-entend pour aller loin. Voilà. Je continue. Cabral Libi, un Cameroun qui libère et protège les énergies. Maurice Kamto, ensemble, c'est possible. Joshua Oshie, la force de notre diversité. Paul Biya, la force de l'expérience. Vous voyez ici, j'ai réussi à obtenir un rassasi de quelques slogans que, au niveau des hommes politiques, on est capable de retrouver. Mais si vous remarquez bien, si je ne vous parlais pas de ces slogans aujourd'hui, vous n'alliez pas savoir que ça existait. Par contre, le slogan que vous entendez souvent, c'est « la force de l'expérience ». Pourquoi? Il a une formule fracassante, « force ». Pour propager l'opinion, l'expérience. Donc, on a besoin d'une force pour... on a de l'expérience à cause de notre force et de notre capacité. Et il soutient l'action. Même là, excusez-moi, il n'y a pas d'action. La force de l'expérience, quoi? Donc, vous voyez que même au niveau de nos politiciens, je m'en tiens à la définition des slogans, même là, ce n'est pas vraiment, vraiment très, très fort. On avance maintenant au niveau de la diaspora. On se rapproche. On a souvent des expressions, comme on dit, « Kamto ou rien ». Je vois quand je sors cette expression, l'accord, je vois déjà comment les têtes de mort vont sortir. On va commencer à aller biper les gens de corps pour dire que voilà, Ida la Camerounaise qui commence à venir sur vous. Moi, je suis ici dans un direct objectif. Aussi bien que j'ai posé mon analyse sur les slogans des politiciens, moi, je vais poser sur mon analyse sur les slogans qu'on voit dans notre combat. Corps, Kamto ou rien. OK, parfait. C'est quoi l'opinion, c'est quoi la formule frappante? Rien? OK, mettons que c'est ça. C'est quoi l'opinion?
Kamto ou rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça sous-entend que c'est Kamto et nulle personne? Ok. Ça, c'est ce que vous, vous pouvez comprendre. Mais je ne pense pas que si je donne ça à mon collègue canadien ici, ontarien, il va savoir que ça veut dire que c'est Kamto ou personne. Donc, il peut décider de l'analyser à sa façon. Soutenir une action. Donc, l'action qu'on soutient, c'est qu'on est avec Kamto. Ok, pas si pire, mais c'est encore là, c'est votre opinion. Est-ce que c'est parce que vous avez décidé que c'est Kamto ou rien et que quelqu'un décide de ne pas faire partie de votre mouvement, ça fait de lui un ennemi à battre? Est-ce que ça fait de lui un infiltré? Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui n'a pas sa place dans ce combat? C'est ça que les gens ignorent. Chacun est arrivé dans ce combat ici. Excusez-moi là, j'ai une sérieuse tête de mort qu'il faut que j'aille m'en occuper. Ok, la personne qui envoie les têtes de mort là, je m'occupe de lui tout de suite. Oh boy, je m'occupais de lui. Donnez-moi juste une seconde. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Et on va venir signaler mon direct et on va bloquer. Moi, je vais aller le bloquer tout de suite. Quelqu'un est là, elle fait son direct, elle ne dérange personne, elle n'attaque personne. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est d'envoyer les têtes de mort. Si vous ne voulez pas être dans le direct de quelqu'un, comme on dit ici, décalissez, nom de Dieu. Vous êtes obligé d'être ici. Oh, parce que je savais, quand j'allais commencer à parler ici de Kamto ou rien, quand j'allais parler de Kamto ou rien, ils allaient venir ici avec leur mauvais esprit. Je vais m'occuper de vous. Excusez-moi là, c'est parce que... Voilà. Oh my God. Bon, on va continuer. Envoyez les cœurs. Ok, ok. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, je continue mon direct. Parfait. Ok, merci pour les cœurs que vous envoyez. Merci. Alors, on va continuer. Ça dit qu'il y a des personnes, vous n'êtes même pas obligé d'être dans le direct de quelqu'un, mais vous venez pour être là. C'est parce que mon ordinateur, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je peux faire. Vous avez votre chance là, parce que quand quelqu'un... Ok, bon, on va continuer. Voilà, donc quelqu'un qui vient dire, je reviens, on était à Kamto ou rien. Donc, parce que je ne dis pas Kamto ou rien, du coup, je n'ai pas de place dans ce combat. Parfait! Jusque-là, on est correct, hein? Je suis un petit peu... Je ne vais pas aller dans votre sens, ok? Vous dites que celui qui ne dit pas Kamto ou rien n'entreprenez pas dans votre... On va aller. Maintenant, on a abat la dictature. 38 ans, c'est trop, ok? L'expression forte, c'est abattre. Ensuite, l'opinion, c'est qu'on met fin à la dictature. Et soutenir l'action, c'est abattre. Maintenant, non au gré à gré. L'action, c'est non. L'action forte, c'est non. L'opinion, on ne veut pas de gré à gré. Et l'action, c'est il n'y en a pas. C'est juste comme non au gré à gré. On continue. Non au hold-up électoral. Il y en a tellement. Boycott des produits français. Opération brûler vos puces. À chacun son nid. Ouais, voilà l'autre qui en ce moment, qui vient même dans mon direct en ce moment. Infiltré, transitionnaire, infiltré de la France-Afrique. Les wayo wayo. Paul Biya, ayop. Voilà les expressions qu'on trouve dans la diaspora. Maintenant, vous avez maintenant les extrémistes. Les extrémistes. Bamileke, voleur de terrain, rentrez chez vous. À tous mes oncles des Bebda, coupez le pont au Bamileke. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Le pont Bamileke, rentrez chez vous. À chacun son boulou. On va acheter tous vos villages, raser vos maisons et les tombes de vos parents. L'Ouest a tourné le dos à Kamto. Les Kamtolades, les Kamtoto, les talibans, la meute. Une panoplie de slogans.
Fait que pour le fun, là, je vais essayer de mettre, je vais mettre ça sur ma page Facebook et vous aurez l'occasion de revenir, vous écouter ces slogans-là. Ça, c'est des exemples de slogans que je vous fais part. Quand on part, une fois que je vous donne ces exemples-là, parce que je ne peux pas aller étape par étape pour qu'on puisse avoir un débat là-dessus, je prends juste quelques-uns au pif pour qu'on en échange. Mais une fois que des slogans comme ça sont créés, admettons que tous les slogans que vous mettez, on est totalement d'accord avec vos slogans. Bravo! Kamtourien! Les Bamilékés voleurs de terrain, rentrez chez vous. Bravo! Maintenant, la question qui fait l'objet de mon direct ce soir, qu'est-ce qui vient avec? Qu'est-ce qui vient avec? Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est tous bloqués. Je veux bien porter le nom, par exemple, de Wayo Wayo. Déjà, il est assez original. Hein? Je le trouve un peu comme exotique, gothique. Wayo Wayo. OK, parfait. Wayo Wayo. Une fois que tu me traites de, ou tu m'appelles, ou tu me traites de Wayo Wayo, après, c'est quoi? C'est une question. Après, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient avec? C'est une question. Ida Wayo Wayo. OK, d'accord. Je suis Wayo Wayo. OK, je vais te bloquer. Puisque tu dis que personne n'est bloqué, tu vas d'abord commencer par toi-même. Wanda sur les gens. OK. Personne n'est bloqué, mais tu es là. Je te bloque alors pour que tu saches que je suis capable de bloquer. Voilà. Donc, Wayo Wayo. Ida, Wayo Wayo. Oui. Puis quoi? Est-ce que parce que tu m'as appelé Wayo Wayo, je vais arrêter de faire mon combat? Est-ce que parce que tu m'as appelé Wayo Wayo, la photo qui nous gouverne en ce moment et qui n'est même pas capable d'aller assister dans les réunions, même virtuelles, va assister ou bien va démissionner? Posez-vous la question, allô? Pensez-vous qu'après tout ce qu'on a fait dans ce combat, utiliser des slogans pour dénigrer les uns et les autres, ça fait quoi? Je reviens, transition. L'année passée, la transitionnaire, transformez mes phrases. Tu as voulu faire un gouvernement de transition sans Maurice Kamto. Si vous allez sur mon, c'est pour ça que j'aime YouTube. Allez sur YouTube en 5 minutes, je vous ai donné ma version de transition. Avec le président Maurice Kamto après sa libération. Vous avez choisi ce que vous voulez. Bon, maintenant, ça fait un an. Ida la Camerounaise est une transitionnaire. Ida la Camerounaise est une transitionnaire. Ida la Camerounaise est une transitionnaire. Ida la... Bon. Maintenant que tu as dit ça, prendre les bouts des vidéos, mettre ensemble, après me faire passer pour la bipolaire. Allez dans les groupes, dites qu'on la retire de tous les groupes. Fais les posts, dis que c'est une infiltrée, qu'elle a déjà reçu l'argent de Bia. Maintenant que tu as fini de dire tout ça là, ça fait un an, hein? Paul Biya est parti. Je pose seulement la question. Paul Biya est parti. Mais entre-temps, est-ce que je ne continue pas à travailler pour le faire partir? Toi, ton but qui était de me traiter de transitionnaire et de m'expulser du combat, malheureusement pour toi, je suis encore là-dedans, les pieds fermes, debout. Mais moi, puisque ton but était de m'empêcher de travailler, je continue de travailler. Même si je fais mes directs, j'ai 5, j'ai 2, j'ai 3 personnes. Je fais mon direct. Parce que je sais que je dépose un matériel, je dépose un message, que plus tard, ça peut servir à d'aucuns pour pouvoir s'orienter dans la lutte. Maintenant, l'autre que vous dites, infiltré, Calibri et Samban, vous êtes des infiltrés. Allô? Quand ils allaient casser l'ambassade là, ce n'était pas des infiltrés, non. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore reçu l'argent, c'est ça, hein?
Ah. Donc maintenant là, il est infiltré. Avant là, il n'était pas. Maintenant, il est infiltré. Donc en fait, vous choisissez. Quand il est parti voir Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, même ses détracteurs ont fait des lives pour féliciter Calibri. Aujourd'hui, ils sont en train de cracher sur cette action-là. Qu'est-ce que la... J'ai dit qu'elle est Camerounais. La jalousie vous a même fait quoi, non? L'envie vous a même fait quoi, non? L'ignominie vous a même fait quoi, non? Je dis souvent, hein, quand tu n'as rien à dire, ferme-la. Parce que tout ce que vous venez faire sur la toile avec vos slogans à la con, c'est pour détruire le combat. Dans toutes les manifestations qu'on faisait ici dans la diaspora, qu'est-ce qu'on disait? Non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Si un slogan pouvait changer la révolution, le seulement le slogan là aurait déjà fait partie Paul Biya. Je dis seulement le slogan parce que hein, je ne peux pas dire le nombre de fois que ce slogan était scandé dans chacune des manifestations internationales de la diaspora qui a été mise. Tout simplement pour vous dire quoi? Un slogan là, utilisez vos slogans là dans les manifestations. Si vous êtes devenus des grilles ou bien vous êtes des griots de la révolution, allez prendre le micro. Quand on anime là, vous venez chauffer la salle. Vous faites vos griots là. Vous chantez, vous chantez, vous chantez. Vous laissez ceux qui veulent penser, ceux qui veulent travailler, travailler. Tantôt ou rien. Bon, d'accord. Excellent, je veux bien. Tantôt ou rien. Je me rappelle, ça fait un an, ça a été créé. Tantôt ou rien. Depuis que Kamto ou rien a été créé, est-ce que c'est ça qui a libéré Kamto? Est-ce que c'est seulement ça qui a libéré Kamto? Kamto ou rien. Lui-même vous dit plusieurs fois, ce n'est pas inscrit sur mon front. Futur président de la République. C'est-à-dire que vous, c'est-à-dire que quelqu'un vous fuit. Il vous fuit, il vous dit laissez-moi tranquille. Vous êtes toujours après lui, après lui, après lui. Mais maintenant, je n'ai rien que vous qu'on soit derrière cet illustre homme. Mais soyons des modèles. C'est un exemple, c'est un modèle, ce monsieur. Vous ne pouvez pas ramasser vos poubelles pour aller l'étouffer avec ça. Si vous voulez mener le même combat que celui, que monsieur-là, soyez aussi potable que lui. Quand vous parlez maintenant mobilisation, mobilisation, quand il est sorti, il a parlé de mobilisation. Le président, il a habillé ce mot-là. Il a mis ça dans tout un contexte. Il a donné des arguments, il a donné des raisons. Et on comprend pourquoi il appelle des gens à la mobilisation. Vous appelez aujourd'hui les gens infiltrés. Vous appelez les gens aujourd'hui traîtres. Vous appelez les gens aujourd'hui voyous, voyous. Vous appelez les gens aujourd'hui. Mais on ne respire pas. Tantôt ou rien. Ça, là, mon message s'adresse aux tontinards. Hein. Ça, c'est d'abord pour les tontinards. Parce que les sardinards arrivent. Les tontinards, ça, c'est à vous que je passe ce message. Si vous êtes fatigué, vous n'avez plus à penser, vous n'avez plus rien à dire, suivez mon direct jusqu'à la fin, je vous ai préparé ce que vous allez faire. Je vous ai préparé ce que vous allez faire ici. Arrêtez de fatiguer les gens sur la toile avec les slogans à deux balles. Voilà Bia, si qui avait son truc, la force de l'expérience, la force de l'expérience. Vous-même, vous voyez la force de l'expérience qui est en train de produire. Tandis que, y en a qui sont là, ils sont en train de s'amuser. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, là, je ne suis même pas là pour m'amuser. Hein? La force.
force de l'expérience. La force de l'expérience. La force de l'expérience. Eux-mêmes, là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, la force de l'expérience. Il va te dire, hein, la force de l'expérience, la force de l'expérience. Et quand il va finir son dîner, il va dire que, merde, j'ai faim, hein. Je vais trouver l'argent où? Ma mère est malade et la mère n'arrive pas à aller se faire soigner. J'ai mon neveu que je ne peux pas envoyer à l'école. Mais tout ce qu'il va te dire, c'est la force de l'expérience. Maintenant que j'arrive sur la force de l'expérience, là, je m'adresse ici aux sardinats. Vous, là, les sardinats qui pensez que le combat, si se résume au Bamileke. Ouais. Donc, si je comprends bien, votre slogan que vous dites, la force de l'expérience, là. La force de l'expérience, là, ça veut dire que la force de l'expérience de votre président, là, c'est seulement sur vous, alors. Ce n'est pas sur le Cameroun en entier. Donc, encore une fois, on est dans des slogans et rien ne vient avec. Je vois là des sardinats qui font des directs matin, midi, soir. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Je les vois tous. Mais si tu les demandes en journée, qu'est-ce qu'ils font? Où est leur carte professionnelle? Ils ne vont pas vous la montrer. J'ai la mienne qui est là. Résumer le combat autour d'une ethnie. Si tu es la révolution, dans cette révolution, tu es anti-Biya. Ça veut dire que tu es Bamileke. C'est ce que les sardinats veulent qu'on comprenne. Les anti-Biya sont les Bamileke. Les nordistes qui sont là-bas, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont rien là. C'est eux-là, ils sont anti-Biya. Donc, vous allez dire que maintenant, là, tant que tu es anti-Biya là, tu es Bamileke. Ça vous a dépassé vous-même, les sardinats. Vous-même, cette affaire-ci. L'affaire de la force de l'expérience. La force de l'expérience. La force de l'expérience. Ça, là-même, ça vous a même dépassé. Vous êtes rendu maintenant que c'est le tribalisme. Que chacun aille chercher son terrain. Quand vous vendez le terrain, là, vous ne saviez pas qu'à un moment donné, le terrain, là, là, appartenait à la personne à qui vous allez vendu. Ou bien vous pensez que vous prêtez seulement, vous allez venir acheter encore après. Moi, je ne comprends pas. Vous asseyez, vous vendez tous vos terrains. Maintenant, on achète, vous dites que les Bamilékés rentrent chez vous. Est-ce que vous êtes allé à l'ouest? Vous avez acheté un terrain, on a refusé. S'il vous plaît, les sardinats, s'il y a un sardinat qui m'écoute et qu'il peut me démontrer qu'il est allé à l'ouest, il a acheté un terrain, on a refusé. Papa, pardon, qui vient me dire, qui vient me voir? Là, il veut faire le direct sur la personne qui a refusé le terrain là. Moi, je ne comprends même pas. Ces mêmes personnes sont ici dans la diaspora. Ils achètent des maisons des autochtones qu'ils ont trouvées là. Jusqu'à même se fâcher qu'on ne leur a pas donné le crédit pour acheter la maison. Vous déménagez chez eux. Donc, c'est là-bas ailleurs, ou dans la diaspora où vous trouvez. Vous pouvez acheter les terrains là-bas. Vous pouvez construire les maisons là-bas. Vous pouvez exploiter les terrains là-bas. Mais pour vous, là, sur vos terrains là-bas, dans vos villages, mes chers sardinats, les Bamileke ne doivent pas être là. Donc maintenant, là, pour acheter un terrain au centre, il faut que tu présentes ta carte pour dire que tu n'es pas Bamileke. Moi, je vous dis ceci. Je vous dis clairement. Les slogans, s'il vous plaît. Moi, ma sortie d'aujourd'hui était pour faire comprendre que tu sois Tantina, que tu sois Sardina. C'est bien beau de mettre des slogans. Mais d'après la définition qu'on a vue tout à l'heure, c'est une opinion. Vous n'allez pas forcer des gens à suivre votre opinion de slogan. Maintenant, entrons aux choses sérieuses. Une fois que tu as décidé de penser à ton slogan qui regroupe les trois éléments que je vous dis, c'est-à-dire qui appelle à l'action et qui donne un message fort et qui partage une opinion, une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui vient? C'est là où le travail commence. Je reviens avec mes amis de Camtourien. Depuis que vous dites Camtourien, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous faites des manifestations, des mobilisations. D'accord. Mais maintenant, là, ces mêmes manifestations, ces mêmes mobilisations, quand vous rentrez chez eux, est-ce que vous capitalisez alors?
Dès que vous êtes chez vous, là, dès que vous avez fini, vous avez déjà fait la manifestation, vous commencez à faire le direct pour attaquer les autres. Vous n'êtes même pas capable de capitaliser l'action. Genève est passée. On a fait les directs ici, c'est déchiré, c'est tréper les chignons, faire ceci, faire cela. Maintenant, vous avez fini une belle action comme celle-là. Quelles sont les retombées? Voilà, vous avez dit que non, on est parti faire le lobbying là-bas, vous n'étiez pas là. Maintenant, là, c'est libre. Qui est parti là-bas devant l'Union européenne pour continuer à faire le lobbying? Peut-être vous le faites en douce, en solo, avec les caméras cachées. On n'est pas au courant. Si c'est le cas, c'est bien. Donc, maintenant, voilà ce que moi, je vais vous apporter comme solution pour accompagner vos slogans. Parce qu'une fois qu'il est créé là, il est juste créé pour la propagande. Maintenant, une fois que le slogan est fait, faites-en la propagande. Mais il faut organiser des conférences. Participer à des conférences. J'annonce ici la conférence Bobby Tanap qui va avoir lieu sous peu. C'est une conférence des Amazones. Toutes les femmes, je dis bien, toutes les femmes qui se reconnaissent comme étant des Amazones et qui pensent qu'elles appartiennent à cette lutte-là, je vous invite à venir à cette conférence. Moi, je vous rappelle, une conférence là, c'est pas là-bas qu'on va manger le poulet DG. C'est pas là-bas qu'on va manger le Ngondré. C'est pas là-bas qu'on va manger le Ndolé. Quand on va dans des conférences, normalement, si c'est bien financé, on invite des experts qui viennent nous donner des stratégies de manifestation sur le terrain. Tout ce que moi je fais ici là, c'est du bricole. Il y a des gens qui sont payés à faire ça. Il y a des gens qui ne font que des recherches pour ça. On fait des conférences. Les femmes viennent, elles écoutent des conférenciers qui leur disent, quand vous êtes sur le terrain de manifestation, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, vous assistez. Quand vous appartenez à une organisation, soyez disciplinés si vous voulez que votre cause avance. Suivez le travail de groupe, soyez collégiaux, travaillez en équipe pour mettre vos forces en commun, pour qu'on puisse parler tous de même voix et aller tous dans un même sens. Cette personne vient, elle partage des stratégies, elle dit comment faire. On peut avoir des ateliers. Ça là, moi c'est du bricole. On peut inviter une madame là, comme Karine Richaud. Elle est bonne dans ça. C'est sûr qu'elle doit faire partie de la conférence, elle doit être impliquée dans la conférence. Mais elle peut faire un atelier. Moi, ce que je fais, c'est du bricolage. Elle fait un atelier, elle vous explique de manière détaillée comment faire ça. J'avais même prévu aujourd'hui là. Attendez un peu. Je sais que dans mon dernier direct, j'avais dit à tout le monde d'aller acheter le matériel. On allait faire un t-shirt. Mais avec la conférence Bobby Tanak qui arrive, il faut que les femmes, d'ici là, peut-être une manifestation. Moi, je vous ai dit, hein, un activiste doit toujours être prêt. Ce n'est pas lorsqu'on dit qu'il y a une manifestation qu'il court, il va chercher son drapeau. Ce n'est pas lorsqu'on dit qu'il y a une manifestation et qu'il va acheter le t-shirt. Non. Et oui, il va faire sa pancarte. Non. C'est il doit toujours avoir son sac au dos. Sac au dos, prêt à partir. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Dans mon prochain direct, hein, la semaine prochaine, moi, j'ai remarqué qu'à la manifestation de Paris, de Belgique, hein, il y avait des femmes courageuses qui se sont déshabillées.
Elles ont mis leur poitrine. Elles avaient quand même le soutien-gorge. Mais je sais qu'il y en avait qui étaient là, soit n'étaient pas préparées, avaient un beau soutien-gorge qu'elles pouvaient montrer aux personnes, ou elles n'étaient tout simplement pas courageuses. La semaine prochaine, je vais vous montrer. J'ai eu une idée, j'ai réfléchi sur quelque chose. Vous voyez là, je ne suis pas prête. Vous voyez les petites camisoles qu'on met à l'intérieur là? Les petites camisoles là. Hein? Les petites camisoles. Tu mets ta petite camisole. Ça là, regarde. C'est un tissu. Tu peux prendre un vieux drap blanc que tu n'utilises pas. Ce que je vais faire, tu mets là, comme ça, sur ta camisole. Tu mets là. Comme ça. Tu as ta camisole à l'intérieur. Vous voyez? Je sais qu'il y a des curieux qui vont chercher à voir autre chose au lieu de voir ce que je leur montre. Regardez ce que je vous montre. Ne regardez pas autre chose. Donc, tu mets ton tissu comme ça. Tu vas attacher à l'intérieur. Tu mets ta camisole. Hein, parce que ça, c'est une chemise. J'avais prévu faire ça, mais j'étais trop occupée. Donc, tu mets ta camisole, tu mets ça par-dessus. Et avec le matériel là, tu écris ton message. Bobby Tanap, libérer les femmes. Tu écris ton message. Donc, voilà une idée que je propose aux femmes. Ça, c'est des choses qu'on fait dans des conférences. Donc, la semaine prochaine, je vais déjà faire un au courant de la semaine, donc à mon live de la semaine prochaine, vous allez me voir, je serai habillée comme ça. Je vais mettre une camisole, puis vous allez me voir avec mon modèle qui sera déjà fait. Et ensemble, on va faire l'autre pour que vous puissiez le faire. Et comme je vous ai dit, ça vous prend un pochoir, des lettres. À moins si tu as une belle main d'écriture, tu peux le faire. Hein? Tu as un pochoir avec des lettres. Comme j'ai dit, ça te prend ton stylo. C'est pour les tissus. Je le dis encore, ce ne sont pas les tissus, les stylos de papi ou de mamie. Puis, ça te prend de la peinture à tissu. Peinture à tissu. Donc, je vais en faire un au courant de la semaine. Je vais porter, je vais me filmer. Je vais écrire le message dessus, comme j'avais fait ce t-shirt ici. Je vais écrire un message dessus. Je vais décorer et je vais attacher avec ma camisole. Donc, maintenant là, toutes les manifestations, celles qui sont courageuses, comme j'ai vu Sandy, j'ai vu Annie, j'ai vu Maman Elissa, j'ai vu Karine, j'ai vu Marcel, j'ai vu Salomé Chapchette, j'ai vu Winnie Savannah et toutes les autres femmes que je n'ai pas pu citer les noms, je m'en excuse. Je vous ai vu, vous aviez été courageuses, vous aviez vos soutiens-gorge. Mais maintenant les femmes, sachez que c'est le Bobby Tanap là qui va aider. On a déjà tout fait. Si ce concept-là peut nous accompagner, peut nous aider à ce que cette dictature-là aille, on connaisse la fin de cette dictature-là. Je vous assure, je serai très, 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 très content. Donc, toutes les manifestations, comme je dis, les femmes, mettez la camisole à l'intérieur. Prenez un drap, vous déchirez. Hein? Vous voyez, pour l'instant, je n'ai même pas encore coupé le tissu. Mais si je me tourne, vous allez voir, vous attachez tout simplement en arrière comme ça. Vous avez votre camisole, hein? Vous avez votre message ici en avant. Oui, il y avait Suzanne Barra aussi qui était là. Oui, Suzanne Barra aussi était là. Elle avait enlevé. Donc, vous mettez ça là, vous mettez votre message ici. Puis, vous passez votre message. Donc, la semaine prochaine, on va travailler là-dessus. Mais déjà avant le live, je vais en bricoler un comme j'ai bricolé celui-ci pour le faire, comme c'était le cas. Maintenant, continuons, on est rendu à l'étape 2. Donc, je dis donc, comme je conclue sur ce point-là, la conférence Bobby Tanap, c'est en cours. Si vous avez les idées, si vous avez quoi que ce soit pour le succès de cette conférence,
N'hésitez pas à vous joindre et toutes les Amazones, vous êtes les bienvenues. OK? Toutes les Amazones, vous êtes les bienvenues. OK, continuons maintenant. Alors, assister à des conférences. Donc, on est en train de trouver, hein, parce que là, on parlait des slogans, on a défini des slogans, on a évalué les slogans, on s'est rendu compte que chacun raconte son slogan, là, il accompagne son slogan de rien. Faire des slogans, c'est bien, mais l'accompagner avec des choses concrètes qui vont aider à le changement de la dictature pour que le combat soit une réussite, c'est encore mieux. Continuez les actions coup de poing. Hein? Action coup de poing. Donc, action coup de poing. Oh. OK. Continuez les actions coup de poing. Donc, bravo à tous les combattants. Hein? Ouais, comme on dit, chacun prêche dans sa paroisse. Moi, je vais saluer les gens avec qui je travaille. Les autres qui ont eu à faire des actions coup de poing, bravo, félicitations. Continuez. Tout ce qu'on fait pour le bien de la lutte, c'est bon, OK? Tout ce qu'on fait qui va amener la lutte loin, c'est bon. Donc, vous voyez les actions de Calibri Calibro, hein? Qui les fait, OK? Ah, la camisole! OK! Merci, Nandi. Alors, la camisole, là, donnez-moi une seconde. Je m'en vais chercher la camisole dont je parle. Je reviens. OK, désolée pour le délai. Donc, toutes les femmes ont ça à la maison. Hein? Toutes les femmes ont ça à la maison. Ne profitez pas. Hein? Hé, Paul Biya, tu vas nous faire des choses. Donc, vous voyez? Donc, tu peux mettre un truc comme ça. Puis, ceux qui sont gênés par leur ventre là, ça cache le ventre. Hein? Puis, tu prends ça qui va mettre en valeur la poitrine, puisque c'est les bobinos, c'est pas ça, ou bien non, tu mets ça comme ça, tu attaches, tu fais ton message, hein? J'avançais déjà, c'est les questions qui me ramènent. Voilà, ça répond à ta question maintenant, Nandi. Donc, vous voyez, par exemple, je peux faire un truc avec vous. Vous voyez? Tu vois? Je peux mettre ça. Où sont mes couleurs, là? Moi, mes couleurs, c'est toujours le vert, rouge, jaune. Vous voyez? Vous voyez? Puis je peux même écrire. Justice. Ou bien fin de la dictature.
fin de la m'avait pris sur le spot. Aïe. Là. Voyez. Je vais écrire ici peut-être en bas là. Voyez, à la fin là, on peut écrire genre. J'ai pris un mot trop compliqué. Dick. Ta. Oh my god. Bref, je vais continuer après. Donc, vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. Donc, si vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, hein? Laissez-moi chercher le mouchoir un peu là. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. Au lieu de passer votre temps dans les directs de Congo, ça à la con, hein? Allez vous préparer pour la prochaine manifestation. Comme je dis, mes chevaux, my God, je mets ça partout, partout maintenant. Ça n'a pas séché. Donc, je dis, un activiste là doit toujours avoir son sac au dos, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac? Les sifflets, son drapeau, ses pancartes. Ouais. C'est pancarte, oh! C'est pancarte! Son talkie-walkie. Bref, tu dois toujours être prêt dans ton sac. De telle façon qu'on te dit que Bia est arrivé là-bas avec, avec Chantal. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Vous courez, vous venez. Vous venez. Parce que vous êtes toujours prêt. Bref, ça c'est un truc que je voulais faire avec vous la semaine prochaine. C'est la question de Nandi qui m'a envoyé. C'est la question de Nandi qui m'a envoyé faire cette impro là. J'avais pas prévu faire ça. Donc c'est comme c'est vraiment là une improvisation. Donc, on va donc continuer notre direct. Alors, j'ai dit, il faut assister aux conférences pour avoir à des ateliers comme ça. Il faut continuer les actions coup de poing, les marches, les manifestations. S'il vous plaît. Cependant, je trouve que trop de manifestations tuent les manifestations. Non, c'est correct, Nandi. C'est correct. C'est correct. Il y avait des gens qui avaient besoin de savoir c'est quoi une camisole. Pour moi, c'était évident là, mais pas pour tout le monde. Donc, ta question était très bien placée. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Donc, alors. Les marches et les manifestations, c'est une bonne chose, mais s'il vous plaît, n'en faisons pas trop non plus. Il faut que des marches et des manifestations qu'on est en train de faire, il faut, avant d'en faire une, il faut déjà se demander où est-ce qu'on en est avec l'autre. Parce qu'on peut pas juste faire des manifestations, faire des manifestations, faire des manifestations, mais on ne fait pas de suivi après. Donc, j'entends dire, on a fait 5 manifestations en un mois. On a fait 10 manifestations en un mois. On a fait 5. Maman, est-ce que c'est le concours de manifestation? Quelle est la valeur ajoutée que ta manifestation a apportée à la lutte que nous menons? C'est la question que tu devrais te poser. Maintenant, je reviens encore sur ceci. Assister à des directs instructifs. Des directs qui vont aider dans ce combat. Des directs qui vont nous apporter comme analyses, des réflexions, des nouveautés, des changements. Arrêtez d'aller dans les directs qui ne vous apportent rien. On a besoin de tout ça. Parce que nous-mêmes, sachez que, en tout cas, sachez que nous-mêmes qui sommes devant là, il y a des matins qu'on se réveille là, on se dit, on commence à être épuisé. Quand est-ce que on va mettre un thème à ce combat? Il y en a peut-être qui veulent faire de ce combat si leur gagne-pain pour toute leur vie. Hein? Mais non,
Nous, on veut finir avec ce combat et passer à autre chose. Autre chose. Si vous n'êtes pas capable de faire des directs, vous n'êtes pas capable de faire des directs instructifs, n'allez pas dans les directs de Kongosa, mais créez des forums de réflexion. Créez des forums où les gens vont venir échanger, où les gens vont venir discuter, où les gens vont apporter des idées, parce qu'il y a plein de personnes là qui ne sont pas capables de parler, mais ils sont capables d'écrire. Ils sont capables de penser. Il faut les identifier. Il faut les relever. Créer des forums. Créer cela. Les mettre là-dedans. Et ils vont nous donner leur opinion, des idées. Parce que des fois, là, peut-être nous-mêmes, on est bloqués. Hein? Peut-être nous-mêmes, là, on est devant. On est bloqués. On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi faire. On crée ce forum de réflexion pour penser sur l'avenir du combat. Il faut lire, lisez, informez-vous. Si vous avez même des ouvrages et que vous n'êtes pas capable de lire, demandez-moi, je vais lire et je vais venir vous présenter, faire l'exposé de cet ouvrage. En passant, j'invite tout le monde sur ma page, j'ai partagé le lien Amazon pour se procurer le livre de Rosanz Jimeni. Hein? Donc, s'il vous plaît, allez-y, achetez son livre, ok? Achetez le livre de Rosanz Jimeni en parlant de livre. Voilà une façon de faire. On a une combattante, on a une Amazone qui a vécu des situations difficiles. Elle a écrit un livre. Ça peut aider certains combattants. Ça peut aider des gens. Ok? Alors, la famille, j'ai un petit peu débordé mon live, je suis quasiment à la fin. On va résumer notre direct d'aujourd'hui. Le but du direct de Ida aujourd'hui, c'était de faire quoi? Mon but de mon direct était tout simplement de vous inviter, de vous créer. Je vous invite à avoir scandé des slogans. Parler des slogans, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter le combat. Je dis bien, ce ne sont pas les slogans qui vont chasser M. Biya et toute sa clique et toute cette dictature. Ok? Scandez vos slogans. Wayo, wayo, infiltré, traître. Attendez même. Je vais mettre la liste là sur mon mur. Hein. Vous allez aller chercher ça. Chacun va se reconnaître dedans. J'ai la liste ici. On dit quoi? Infiltré, traître, infiltré, transitionnaire, infiltré de la France-Afrique. Paul Biya, ayop, ayop. Les Bamileke rentrez chez vous. Les pauvres Bamileke. Oh my God. La connexion commence à déranger là. Est-ce que c'est parce que je suis un Bamileke qui dit, c'est parce que je suis Bamileke, je dois être président maintenant? Non. Non. C'est parce qu'il a, et on constate, si on constate qu'il y a quelqu'un qui est compétent et qui peut accéder à ce siège. Oui, merci Annie. Annie, voleur de litchi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable d'accéder à ce siège, ben, on l'amène là-bas. Voilà un slogan que Annie donne ici. Voleur de litchi. Karine Richard a créé un litchi. Vous avez couru dessus, signalé. Depuis qu'elle a fermé son litchi, deux autres litchis, des gens qui envoyaient signaler là, sont en ligne. Trouvez-vous même l'erreur. Donc, sortez des slogans, entrez dans la réflexion. La réflexion, c'est quoi? Participer à des conférences qu'on initie, comme le Bobby Tanap qui arrive. Pensez, contribuez. Assister, maintenir des actions coup de poing. Ça, les actions peuvent être en groupe, les actions peuvent être individuelles, les actions peuvent être collectives. Lisez, informez-vous, réfléchissez, créez des groupes de réflexion, même si vous n'êtes pas capable d'en créer, de réfléchir,
créer des... Si vous connaissez des personnes sur la toile qui écrivent beaucoup, 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 mais ne veulent pas se montrer, mettez-les dans ces groupes-là. Vous profitez de leur savoir. Et maintenez la pression sur ce système RIA. Le Drian, Bolloré, continuez de dénoncer cela. La famille. Un activiste n'est pas un politicien. Un politicien n'est pas un activiste. Un activiste et des politiciens ont des slogans. Mais l'activiste accompagne ces slogans des actions fortes pour que ce qu'il dénonce, peu importe du bord où des uns des autres se trouvent, soit arrêté ou soit réalisé, dépendamment de ses souhaits. Un politicien a un seul objectif, c'est de gagner les élections et arriver au pouvoir. Et une fois il est là-bas, s'il est de bonne foi, comme dans des pays développés, il va travailler pour le peuple. S'il est de mauvaise foi, il va travailler comme chez nous au Cameroun, pour lui, sa famille et son environnement immédiat. Les slogans ne libéreront pas le Cameroun. Je reprends. Les slogans ne libéreront pas le Cameroun. Mais nos actions et nos réflexions, nos stratégies libéreront le Cameroun. C'était le direct de Ida la Camerounaise, l'activiste engagée. Me voici à la fin de mon direct. Je te retrouve, moi, la semaine prochaine pour un autre direct. Et avant de te laisser, je vais te poser la question habituelle. Maintenant que tu viens d'écouter le direct de Ida la Camerounaise sur sa page Ida la Camerounaise, normal, et Ida la Camerounaise 2, pose-toi cette question et trouve la réponse. Voici ma question. Qu'est-ce que j'ai appris dans le direct de Ida la Camerounaise et qui va m'aider et qui va contribuer à mon implication pour la réussite du combat que nous menons contre cette vieille dictature de M. Biya? Si tu as essayé une réponse, ça veut dire que tu étais bien attentif dans mon direct. Et c'est comme ça que je t'invite à toujours te questionner à la fin de chaque direct. C'est la fin de semaine pour certains. C'est une longue fin de semaine. Pour d'autres, c'est une semaine régulière. Passez une belle fin de semaine. Profitez-en. Et on se revoit demain pour un autre direct. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.